2 cm de neige sur les capots des pointus à La Ciotat, il n'y a pas de quoi bloquer l'activité de la petite ville côtière, mais assez pour faire sortir les photographes amateurs. Bah, comme ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu La Ciotat comme ça. Ouais. Le bec de l'aigle enneigé, là, ouais, c'est pas tous les jours. Ouais. Et même l'île verte, c'est très rare. Hein. Ouais. Parce que de temps en temps, il tombe de la neige, ça arrive. L'année dernière, un petit peu, il y en a un petit peu sur les plages, mais là, l'île verte, j'ai pas le souvenir. Hein. Ça fait un moment que j'ai pas vu la neige, ça fait combien d'années? Moi, je suis revenu depuis 5 ans, je l'ai pas vu. Voilà, donc ça fait bien plus que ça. Plus que ça. C'est beau? Ah, c'est magnifique. Ouais. D'ailleurs, on immortalise. Pas de neige en abondance, mais du verglas. Ce matin, il faisait moins 5 sur les quais. Une patinoire qui, pour certains, n'est pas un problème. Quelles chaussures vous avez mis pour pas glisser? Ça glisse, en fait. Ça glisse? C'est des baskets et ça glisse. Rien donc, à faire. Pas de basket à crampons ou Non, pas plus que ça. Vous courez tous les jours? Non, là, cette semaine, j'ai mis un peu en stand-by, j'ai pas trop le temps. Et puis j'ai repris ce matin. Cette petite neige, un samedi, tout le monde s'en félicite. La municipalité a salé les chaussées tôt ce matin pour prévenir des glissades. La neige ici est un phénomène rare et digne d'une jolie carte postale.